raison Oyo Moïse Katumbi avec agressé Mboka na biso d'une manière ou d'une autre les allées et te bengi loi Noël Tchani de père et de mère loi Wanande les allées loi Moko Salvatrice. Il y a une loi Oyo et que peut Congo deuxième indépendance. Indépendance institutionnelle. Donc nos institutions, il y a une indépendance parce que infiltration les gens qui ont été du show. Loi Wana, il y a que 5 ans dans le monde, dans le niveau Assemblée nationale, il y a un papa dans le show, un bosso, Koudiankwanga, pour aller président Assemblée. Peuple congolais, Bassengio, à travers mon lobby, dans le monde, dans le monde, Marcel Moma, pour la Koye Bissayo, monsieur le président de l'Assemblée nationale, peuple Azakoze Labo a aligné la loi Noël Tchani. C'est cette loi, il y a un peuple Azakoze Labo a sauvé Mboka Nabisho. Tous en avons information que dans le niveau Assemblée nationale, loi Wana. Bonjour, chers membres, chers internet de la voix céleste. Les alliés Oyabino, moi Namboka, Marcel Mwema, communicateur d'investigation. Bote Nabino, Nengeto Lobi, bonsoir. Ça dépend Oyo Bokolanda Bisso. Lelo, touye pour la première fois dans la voix céleste. On a échangé avec Pesabino. Citation de l'heure, Yamboka Nabisso. Ma solo ya politique ya mboka na biso te uti wapi te komi wapi pe te zo ko kende wapi nenge na ibisi mene bande le zali mwana mboka Marcel Mwema oya zali président ya parlement debout super lemba moko ya ba parlementaire debout ya UDPS et se mozali ya mingi parce que na yibu zali ebele ebele ya nabiso na nzela ya voix céleste comme information en notre possession. Oyo Toto Kabila Nabino, Yadibeso, Torobeta Masolo, Yahoo Tali, carence ya farine de maïs, na niveau ya espace Grand Katanga et Kasai. Pourquoi le loyo, Mboka Nabiso, tous allez Mboka au Nzambe à Pesabiso, de Mengo, ils allez te donner un mot paradis. Donc, nous avons dit paradis, mais comment que tu as dit que Zanga maïs, ou les gens qui ça passe dans l'espace Katan, le gouvernement responsable, ou et quand même, moi, dans mon cas, Jean-Michel Samba Lukonde, à travers VPM, l'économie, moi, dans mon cas, Vital Kamere, bah, fait souhaiter un voyage à niveau à Afrique du Sud. On a reconnu que Tala, le Lénémini, Oyo, avant le gouvernement, parce que le gouvernement s'est annoncé à débloquer une affaire de 200 millions de dollars, on a injecté en mode secteur Wana à agriculture, on a repassé en mode homme d'affaires à bailler des fonds congolais, on a produit maintenant maïs dans Mboka Nabiso. Vous savez que tout ça dans Mboka Oyo, tout ça dans Mabele Oyo, il y a malam, tout en a maï, tout en a zamba, nous ne pouvons pas y avoir zanga ka biloko ya kolia. Ceux qui ont zanga zanga yango, ils allaient à cause ya la gestion ou le cas d'amour à la biso, bazalaki, la vision te. Mais cette fois-ci, avec l'actuel chef de l'État, le gouvernement Samba Lukonde, expertise ya VPM Vital Kamere, le gouvernement a une décision. Il y a Koucha, un moyen. Dans les prochains jours, tout le monde a produit Bisso Moko. Mais il y a un déplacement qui est le déplacement Oyo VPM, Vital Kamere, à charge économie, à qui nous avons décidé. Contrairement à l'information que Oyo a tiré sur la toile pour nous discréditer. Il mange le gouvernement, le gouvernement est incapable. Pendant que la crise de maïs, la crise alimentaire, la crise de la Mboka Nabiso, ça ne date pas d'aujourd'hui.
repas d'aujourd'hui plus alimentaire banamboka boyebi depuis ma pillage c'est moi 91-92 mboka na biso tokota la crise alimentaire et on continue le sous-sous avec l'entrée d'un fidèle. Vous savez que dans le côté de loin des yeux Kabila, la crise se projette en crise sur tous les plans. Les accoutes ont bombardé, côté de chaos, comme on a dit fidèle. 20 PM, mais on a mis 20 PM en charge d'économie, parce qu'il y a une fraude parce que. Afrique ici, c'est un peu comme moi-même, on est basé dans l'expertise, on est basé très avancé sur le plan de l'agriculture. Bah, il y a qui, premièrement, qu'on visite même l'industrie. Vers ma voyage avec la suite, avec le Premier ministre, ministre en charge de l'industrie, parce qu'il a fallu que nous ne pas l'amener dans l'industrie sud-africaine. Na o tali production de la colia ba masango de bleu nous c'est tout de dire que non la colia n'est fonctionne ka c'est pour cela ministre industrie kendaki et ali mwana mboka le ministre industrie ou kendaki comme chapina mon bouquet a kendaki pena ministre ou ya ministre ya commerce extérieur. Ils allaient moins en bouc à Jean Lucien Boussa parce que ils allaient ils avaient échange commercial. Échange commercial, c'est un ministre à Zala. Et en même temps, moins en bouc à Birian Zio, ils allaient ministre à petite et moyenne entreprise. Parce que la fin ici, il faut que les gens, en bouc à ce sont des privés. Oh, bah ça, la domaine où on a la production, il y a boulot à colère, il y a farine de maïs. Ce sont des privés où on est gérer secteur voilà. Et c'est une équipe ministre de la petite et moyenne entreprise Azala, où on pas la même on a évolué. Contrairement à ma information, il y a opposant à faible, on a vu que parce que dans le cannabis, il n'y a pas d'opposition. Il y a une interface avec l'actuel pouvoir. Bon, l'opposition est tellement faible. Opposition est un mensonge. Je vais vous féliciter le peuple congolais parce que le peuple va comprendre que non, l'opposition congolaise va jouer un rôle dans l'autre. C'est pour ça que le peuple congolais va venir derrière mon président Mboka. Moi, Mboka, Vital Kamerhe, a sali déplacement. Mais au Royaume-Uni, un opposant, je ne sais pas si c'est un opposant. Parce que le Yébi, sous Joshua Kabila, Ron Oyo, Augustin Matata Ponyo, à Joachim. Il était premier ministre pendant plus ou moins 4 ans. Celui de Lolo, tu vois que Beta Massolo, il y a 40 familles de maïs en Bouga Nabiso. La personne qui est à la base, c'est Augustin Matata Ponyo. Vous savez que le gouvernement congolais divise à plus de 200 millions de dollars pour monter usine. Et produit maïs de farine pour le peuple congolais et qui n'a pas d'autre université dans Kindu. Aujourd'hui, le lait Bukangalonzo est tombé en faillite. Bukangalonzo ne produit ça rien. C'est ma tête à peu près. Il voulait donner nous les leçons. C'est comme si de nous, avec un bon gestionnaire, que c'est le gouvernement, mais comme que c'est le vêtement, éviter quand même que. Le gouvernement est voyagé avec 11 ministres pour reconnaître que nous avons une solution à ce qui concerne la farine de maïs. C'était faux et archi faux. Le ministre de l'économie a voyagé dans la suite, mais avec 4 ministres, on a tenu le combo. Il y a un rôle dans le bango. Il y a un monde qui est là qui est là. La mission, on a, par rapport à la rôle dans le bango, il y a la tâche dans le gouvernement congolais et puis il y a les responsabilités. Bana mboka eza ya kobomba te mboka na biso to produisaka lisusu te depuis bana ebele ce n'est pas gouvernement Félix Tshisekedi aza na 4 ans bientôt aza na 4 ans toujours que na 5e année mais te chercha ko produire
masambu ezala loso ezala biloko nyonso tout ebotama na se ya mabele po batolia malamu epolisi arrêté e ma vie apenaai 4 ans il était incapable ya kolona to koproduire bilei masambu bilei nyonso tout oyo po peuple congolais aza bonne santé na mboka na biso toza lelo na to tobengaka bana oyo baza na malnutrition. Pourquoi la malnutrition? Parce que je suis malade. Est-ce que dans le Congo, tu as une carence de l'IA? C'est impossible. Mais avant que le régime soit en train de se même dans Kinshasa, la vie de Kinshasa, dans l'Est, nous ne parlons pas, dans le Congo, dans la province, dans le Congo, dans le Congo, dans le ma famille est en train de délestage, je suis en train de dire ministre. Premier ministre, 4 ans, dans le Congo, mais il s'est mis à la ministre de l'Ibale, il a servi plus de 3 ans. C'était Tien Wadem, il a servi 4 ans. Et ma tête a servi 4 ans. De Bangong, ma tête a posé la leçon, parce que Azal est le seul premier ministre qui a dit plus de temps en tant que premier ministre. Mais il n'a rien foudé pour la République Nabisso. Aujourd'hui, comme opposant, il n'y a pas de leçon. Mais la CP là qui tout le monde a encouragé VP Vital Kamerhe par rapport à la sagesse d'ailleurs pour la éclaircir. Quand on a 4 missions, on a fait des signes dans le cas qui n'a pas de Zambie. Parce que Zambie, c'est le pays frontalier, le pays voisin, le monde à chaque fois, il a vu le pays, le monde a été le pays, a une grande qualité, surtout l'espèce Katanga. Comme la délégation congolaise, conduit par VPN Vital Kamerhe dans Mboka Zambie. Ministre au atelier économie, découvrir Nini. Deux grandes décisions au gouvernement zambien et Zouaki. Contre la République démocratique du Congo. Ma décision est de venir dans Mboka. Dans un pays, il y a un complot contre notre pays. Nous sommes sous complot, chers Congolais. Bana Mboka, il est grand temps, Congolais, surtout partout dans le monde, vous allez derrière l'artiste de l'État. Parce que tellement le complot est tellement grand, et c'est mieux tout à la souder. Ma décision est dans l'ennemi. Gouvernement zambien, ma décision va bien. Plus question, il y a que tête là. Le pays de l'Occasie du Congo, farine de maïs, au Tébé à Massamou, la Katan va bien à Bunga. Où est la décision de Bessou? Yami Balé Balobi, pas question, il y a farine de maïs en provenance de la République de l'Occasie du Congo, et le Kana Zambie. De même que ce n'est farine de maïs en Tanzanie, même que ce n'est en Afrique du Sud, et côté que le Kana, sol zambien, chose grave, chose étonnante, pourquoi la décision alors? Ce sont des politiciens à perte de vitesse, ce sont des politiciens au bino na katanga de bengaka au german au nani bakombo de baza la base de la manœuvre wana pour la agenouiller le gouvernement pour la créer crise na niveau la katanga contre le gouvernement, il y a moins d'amour que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi Moïse Katumbi a la base de la manœuvre Wana? Ils ont bien battu. Moïse Katumbi a la perte de vitesse. Vous dit que Bane Akatanga, Moïse Katumbi a allé le jubeté. Azalé le jubeté. Parce que Azalé. N'a sans communauté. Mais tu es un enfant adoptif. Tu es adopté dans le Congo. Mboka na ezali Zambie. C'est pour cela que c'est comploté avec le gouvernement Zambie. Ce n'est pas aussi la première fois que c'est comploté contre le gouvernement. Là, vous devez savoir, à l'époque, il y a Laurent Désiré Kabila. Tango ba rebelle d'un côté de Guibiso, ba Rwandais, à travers RCD Goma. Donc, à côté de ce qui est en Mboka Oyo,
et le gouvernement et Laurent Désiré Kabila et décida qui y a côté quand qui t'en a mis sur la minorité n'a mis sur on a qu'on voit moyen on a reçu la face de la guerre on est déjà agressé par le Rwanda à travers RCD Goma. Gouvernement de Bloka qui va minérer, il fallait demander dans la Zambie. Et comment dans la Zambie, gouvernement Zambie a saisi ça qui va minérer la Bissau. Bah, notre tout à la guerre, rebelle a commis, ah, on a cassé, le rebelle a commis un peu partout. Pour que nous ayons à cause de tout ça, gouvernement Zambie a gagné. Gouvernement Zambie a gagné, il est au Bissau. Pour une seule raison, oh non, il y a un citoyen zambien vivant en République du Congo, a négocié l'affaire naïe, a banné au copain gouvernement, et gouvernement congolais devait la nyongo naïe. C'est pour cela que saisir du logo Oyo, et c'est de foutre un citoyen à Bissouana. À notre grande surprise, c'est cette information, vous pouvez vérifier, parce que Bato Bazalaki, à l'époque, et même il y a le roi des Kabila Bazali, la République s'est dit, non, papa n'a Bissou Jean-Charles Okoto, Azali. Dans le pays de le sénateur le chef Kitundu Azalaki, dans le pays de même Mova Satani, il pouvait témoigner. Dans le monde de la mission pour la Rokende. Citoyens amis, on a à la personne de Moïse Katumbi. Oh, il s'est présenté comme un citoyen zambien. Aïe, ici, il y a un gouvernement qui a été mis en combo, qui a été mis en combo. À ce moment-là, le pays de comprendre devait faire sa musique à tout, mais que non, il n'est pas de notre dans un Zambien. Pour libérer Miloko, on a libéré la minerie à Bissot. Il a fallu que le gouvernement débloque une bonne diligence qui a foutu à Moïse Katumbi. Il a dit parenthèse pour Nathalie Sabino, qui est Moïse Katumbi. Donc, un Congolais sérieux, Congolais Oyo, a la concession de Rambo Kanaye, a coquille jamais pour soutenir Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi a un Congo pour jouer jeu, il y a un occidentaux pour jouer jeu, il y a un impérialiste, il y a un Congo pour vivre la République démocratique du Congo. On a repéré sa mort à la bise et décolleté à tout moment zana à la manœuvre il y a destruction il y a mort à la bise et une fois encore à y aller sous la manœuvre on a quoi vous êtes la bande de gonnerie dans Zambie va empêcher côté que la République classique du Congo massamo mais la CPL qui n'a veut pas l'économie en tout cas mais on va bloquer la fleur et de l'eau parce que à ça une sagesse. Et depuis que nous avons un gouvernement ensemble le compte de deux, expertise n'aille et au service de la nation. A l'ABC, l'autorité zambienne, Bissou Toye a ouate pour nous demander, pour manger, pas la Bible de la Zambie. Bissou Toye somme à Kamasamou. D'ailleurs, nous, parents, nous devons compter ce gouvernement zambien. Parce que plus de 1 milliard de dollars, Oyo, pour côté Sagana, gouvernement zambien, on a côté ka Masangu, pour recevoir Masangu plutôt, et de côté moins gouvernement. Bon, essayez de faire la coopération, dans le lien bien, il ne faut pas déjà là, exciter, tout déjà là, derrière ma problème politique. Il y a des politiques qui ont fait des problèmes internes, il y a des politiciens qui ont fait il a fait comprendre le gouvernement zambien pour que la décision soit. Mais entre temps, le gouvernement responsable a annoncé déjà une somme de 200 millions de dollars pour que la production soit produite à l'interne. C'est un bon abus. Nous devons cesser à recevoir des blés du Banda, Banda des Zamba Pessimiso, Maï, Mabele, et Zamba Oyo au Sengeli, pour se servir dans Yango. On est avec point d'abus sur la Libosso, point d'abus sur la Nibale, nous contenons directement
insécurité aux Zali na katia vie province de Kinshasa. Chers Congolais, nous sommes dans le bac de Zali sous complot international, de Zali sous complot. Insécurité à la ville de Kinshasa, na niveau à Maluku, na niveau à Mizakuna Nangalema, un peu partout de Kinshasa, ba Saya, ba Tumabe, ba côté de Bissou, ba Tuana. Directement, on compte dans le deuxième point de Bissou. Et les alliés, insécurité au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que non, c'est plus de trois décennies. Est de la République de Bissau, ils ont insécurité à cause du complot international. Oyo, ba demoye miso, ba impérialiste, ba zara contre mboka na biso. Ba na mboka seneto yeba, mokonzi ya mboka sala tout déplacement na niveau ya SADC. Na sommet ya SADC kuna na Windhoek, na Botswana, pour na kosenga soutien pe appui de la force ya SADC. Et bon, ça n'a été ma force à savoir que si ma yéda mboka na biso sous le roi des vieux Kabila, le monde a ka ba force ya Nanibi, le monde a ka ba force ya Zimbabwe, na ba pays moussous ya SADC, ba yiko yéda biso à l'époque ya guerre, ya RCD Goma, toujours l'agression rwandaise. Mon conseil à mboka négocié a sali tout. Ça va payer à Sadek pour nous faire comprendre, pour expliquer la nécessité au Sadek, Bazan et Yango pour nous faire aider RDC. Ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutumbula, a annoncé que d'ici le 15 mois prochain, le 15 juin, la force à Sadek. Bakobana Rokita Awa na Katia Mboka na biso République démocratique du Congo. Pour ma force au ESC et Seigneur Bakende d'ici fin du mois. ESC est espéré que ce qui va y aller, Bakoya, Koyede, notre armée nationale FARDC, on a bouté dehors groupe terroriste rwandais. Parce que M23, c'est une groupe terroriste rwandais. La République démocratique du Congo. Malheureusement, cette organisation EAC, Bangope Bazali complice, pour Bazali peut comploter contre la République démocratique du Congo. Donc, on dit en Boka Lokola, 40 de la nation a eu la décision pour mettre fin à la relation militaire entre RDC et et assez. Donc, on a dit qu'il avait bien dit, dans le niveau de Windhoek, de côté de la carte organisée à EAC, vous allez prendre l'objectif de balayer. 1. Quand vous avez dit que la République démocratique du Congo, il y a mis balayer pour coopération économique. Parce que la population à Est, le col à moi, c'est un moussika, na Kinshasa, et homme d'affaires, tout commerçant congolais, basala kami mingi ba transit na bango ba faire na bango ba kena ka vers ba pays d'Afrique de l'Est. Ben si l'état militaire est limité parce que EAC ba échoué à tous les niveaux dans le VPM. Christophe Lutumbula il a annoncé ça que EAC ba échoué. Ba échoué au tobané que zona EAC te moni en côté. Donc si l'état militaire RDC de récupérer le Susuke. La troupe de l'ESC se trouve là, Bakende. Et surtout que nous avons dit que nous avons dit que nous avons révélation, il y a des informations en notre possession. Le militaire de l'ESC, en collaboration avec le terroriste M23, ensemble, nous avons mis là, nous avons mis là, nous avons mis là, Bassi à Bissau et à République démocratique du Congo et Sikamoko. Donc, cette aventure à EAC, elle nous a causé beaucoup de temps, beaucoup de problèmes dans le colonel Koya. Mais bon, ça n'a pas été, même si on a eu sous complot,
sous complot wana ESC la plupart des batteries on va dire ça là il fait partie des versions là ce sont des pays où batuti tout la nourriture va être dominée. Il y a un mot de monarchie Paul Kagame avec William Utu, président kenyan, bah, qui m'a dit, dernière réunion, au et ça l'a au niveau à Burundi. Parce que le chef de l'État avait été vraiment très, très, très catégorique et très ouvert. Il y a un mot de Sabango qui est trahi. C'est pour cela que bah, qui m'a dit même qu'il y a. Bana mboka pona ko continuer na oyo estangami dossier à Est République parce que le dossier on est le dossier moko très sensible. Il s'agit à sécurité à mboka na biso 20e de défense Vital Kamerhe 20e de défense Jean-Pierre Mbemba Bombo a salaki mission officielle kuna na na mboka ya Indologie pour n'avoir que l'industrie militaire dans le niveau de l'Indolésie. Parce que l'Indolésie, dans le dernier temps, comme on voit, m'a avancé mingi sur le plan militaire. Mais dans l'industrie, on est fiable et on est monté en puissance. VPM, Jean-Pierre Mbemba, ça a été voyage. Et dans le voyage, en tout cas, et c'est Mozali, annonce à Mme Mozali, dans le prochain jour, tout le monde a présence, il y a un formateur militaire indolésien, il y a un formé, il y a un côté de notre armée, il y a un formé de militaire, il y a un côté de notre armée, il y a un monté de usine, industrie militaire, pour la fabrication de la minute, la fabrication de la. Éléments militaires, il y a des gens qui ont été là, que nous avons été avec des moments dans la possibilité, nous sommes dans l'industrie militaire. C'est possible avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons été beaucoup. Il y a des décisions que nous avons jouées pour mettre fin vraiment définitivement dans l'agression que nous avons été ciblée. Les alliés sous complot, nous avons banni plusieurs fois pour la Royaume Sabino et c'est Nélimbo Ganabiso Kaka, chef de l'État, qui a pris la décision d'être armé à Nabiso vraiment un arsenal militaire, Yamakasi, pour la Kinya, pour la sécurité de Ganabiso. C'est nos 9 voisins, les alliés sous-traités par l'Occident, pour la Kocha Mobino. On a reçu insécurité dans la République démocratique du Congo. Toujours dans le cadre de la sécurité en Mokanabiso. On a entamé directement insécurité dans la carte de vie pour la Kinshasa. Dans le dernier temps, le monde a demandé à Mbanguna à côté de Libye sur la carte de Kinshasa. Makambo te vivait dans le coup de la conflit à Teke Yaka. Où te vivait qui? Dans l'écologie, le cas. Le même dans ce moment-là, et comme il se produit dans la ville de Kinshasa, dans Maluku, dans Mikaou, un peu partout dans la ville de Kinshasa. Même Yazali à la base de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Même Yazali à la base de la déstabilisation dans la 4 villes provinces de Kinshasa. Dans le monde, dans l'Europe, c'est le plus beau but, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila. Un agent rwandais et un agent qui a été en train de se faire en sécurité. Le col a réussi à quitter à la tête de la République du Congo. Il a balkanisé RDC. Il a fait un agent qui a été en train de se faire en gestion du Congo. Il a fait un agent qui a Paul Kagame. Maintenant, il a fait une autre forme. Il a fait tu as insécurité dans la ville de province de Kinshasa pour que mon cannabis pour continuer le dialogue. Le dialogue et que nous ramenons le sous-sous. Le partage du pouvoir au Rwanda.
Mais la message que quand le gouvernement, quand la carte sera mise pour infiltrer le sous république c'est du Congo. Parce que souci n'a pas base à la contrôle de l'institution, contrôle de les services de renseignement, contrôle de l'armée congolaise. Le quoi le monde en fait un petit secret du congolais de père et de mère à mettre fin la carte infiltration la carte la police armée la carte de l'institution. Il va mettre dans le mal à l'aise. Kabila, la royauté de Sabino Balamboka, insécurité est un niveau à Maluku, et ça coûte la carte à parc où le Bengu, parc de Yekuma, où il y a la Kindakati. Et j'ai eu la Kindakati. Dans le moment où la royauté de Sabino, ma garde républicaine, depuis hier, m'a encerclé qui Kindakati. Kindakati est allé encercler. Kindakati wana il y a 50 000 hectares. 50 000 hectares, en tout cas, c'est beaucoup pour un individu. Mais Kabila Lenin Soussou à Somba, l'État Moussoussou, Namikaou, ou le chef coutumier, solo, dans la boucle, la télémélie. Nous, surtout, on est allé pour nous comploter contre Mboka. Espace wana, à Zopé Sangona, à Mouna. Ce sont des Rwandais. Oh, il y a des routes de Rwanda qui appartient à Brazzaville. Mabele au Rwanda, zone de nouveau à Brazzaville, il dit que le gouvernement rwandais a 12 000 hectares dans Brazzaville. Tout près en bord à la biche parce que 12 000 hectares rwandais, ils allaient juste pour à Maluku. Pourquoi Rwanda, au Brazzaville, nous cita Baya que j'ai 12 000 hectares dans Brazzaville pour la soie des avocats la bilanga. Banamboka. C'était stratégique. Baya que j'ai 12 000 hectares pour infiltrer la République du Congo. Pour que base soit en contact d'une manière permanente avec Kabila et Kindakati. En contact permanent avec Banamboka. Il y a un monde qui a été assaillé à tout moment pour que des services viennent vivre ça. Mais Dieu est grand, nos services de renseignement et sécurité ont déjà à procession la situation située de Kakuna. Et félicitations au monde, à la garde républicaine, à cette garde républicaine qui doit mettre fin au Tchèque Kimia, dans l'espace où on a Maluku, Mikaou, par-ci, pour l'espace où on a. Est à Kinshasa. Le Siko est dans le moment qui n'a pas été sous contrôle. Dans le prochain, j'ai raison à toi, c'est lui, non. Parce que mission au bagage de l'opinion d'Ajou, et ce n'est pas quoi tu as accédé à la 4e site, tu vois, non. Et puis la 4e, va contrôler la 4e. Va contrôler la 4e, parce qu'il y a des choses où, dans le prochain, j'ai raison à toi, non, où il faut passer la 4e à la 4e. Mais information, et tout en amont, que vous pouvez s'abonner tant d'opérations et que ça les mains. Félicitations encore, on a fait même Peter Kazadou et il peut ajouter dossier à insécurité à venir à Kinshasa, à vraiment en main Kinshasa pour le moment, malgré les Bambassayans, malgré la Kmabé Lazalim, Kimia est allé à 90%. C'est un peu ça, autre que vous avez par rapport à l'insécurité de la vie pour vous à Kinshasa. On a cochité, on a réussi à continuer sur le côté, on a un dossier politique vraiment. On doit parler de la politique. On a réussi à Banamboka, bientôt la élection, ils ont dit qu'il y a. Bientôt, Seigneur a lancé appel à la candidature. Tout le monde est déjà un politicien, un opposant. Oyo, bazali au service des impérialistes. Ba bandi ba manœuvre dilatoire, ba manœuvre politique, ya mabe, pour la empêcher l'élection. Tout le monde, Moïse Katumbi, à l'Oué Katanga, à Yeshua Biza marche. A on a vu pour le Kinshasa. Bana qui marche Oyo, ba annoncé, rien que seulement pour la marché
soi-disant Zala et Côte Nakati Amboka. Zala et Côte Nakati Amboka. Moïse Katumbi a eu gouverné pendant plus de 10 ans. À mon avis, Zala et Côte Nakati Matata Pono, Mene Mogo. Denis Sessana, 2-3 cycles électoraux députés. A titre de jamais gagné le cycle pour le redénoncer en haut. Martin Fayoulou, Mene Mogo, un ancien député. Mais pourquoi Marchouana? Marchouana, c'est seulement pour distraire le peuple congolais. Pendant que notre peuple est en guerre, on va voir que marché pour nous ressembler à la Congolais Balouya. Au lieu de marcher pour nous ressembler à Kagame, agression à Kagame, à ce que c'est RDC, on va marcher pour nous ressembler à les Occidentaux, bâtis à l'armée M23 à travers le pont Kagame, on va marcher pour nous ressembler à Balouya. Tout cela, c'est une géo d'ailleurs que j'y ai, y'a. Kidali pour nous redistraire le peuple congolais. C'est pour cela que j'interpelle le peuple congolais. Ma CPLA qui, c'est le peuple de se désengager qui. La initiative de marche Wana. Mano va annoncer le 20 et que Zalango sans événement. Moïse Katumbi s'est retrouvé dans Kaluka. Pour nous redistraire dans Kaluka, que nous devons dans Zala. Mais bana ya Kaluka. Tant que nous avons dit 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 que nous avons au service de Kigali, peuple congolais, nous devons nous prendre en charge, même le roi des États-Unis, le Baki, de soutenir Mokonzi Amboka, de soutenir l'armée congolaise. Enfin, pour nous chuter, Banamboka, nous sommes surtout au travers de l'Oba. Raison, Oyo, Moïse Katumbi, avec agressé Mokana Bissot. D'une manière ou d'une autre, ils allaient être bénis. Loi Noël Tchani, de père et de mère. Loi Wanande, ils allaient, loi Moko Salvatrice. Ils allaient, loi Oyo, et que Pessa Congo, deuxième indépendance. Indépendance institutionnelle. Donc, nos institutions, ils ont besoin d'indépendance, parce que infiltration, les gars de l'institution de Bichot. De mon inné, de mon chouchou, par contre, de l'institution de l'Assemblée. De mon inné, beaucoup d'étrangers. De mon inné, James Kabari. Bah, je vais côté de chef d'état-major. De mon inné, quand il amène à Bichot, même à Ménagé infiltré. Plein de Rwandais, plein d'étrangers. Dans quand c'est la service à renseignement sécuritaire. Moi, je vais me coller à l'unité parce que, bah, j'ai besoin d'informations à la loupe, à la lettre, pour que je puisse faire la bango. Pour nous déstabiliser RDC. Mais loi Noël Tchani pour nous mettre fin. Ils ont eu mettre fin, c'est pour ce monde Occident. Moïse Katumbi, il y a une agitation totale. Parce que cette loi, il veut mettre fin à l'infiltration de la Ibis Mobana en Moka. Loi Wana, tu vas que 5 mois dans le monde, dans le niveau Assemblée nationale, tu vas avoir un papa Nabiso, un Mosso, Koudian Kwanga. Pour les alliés président de l'Assemblée, peuple congolais, c'est lié à travers mon lobby, dans le monde, dans le monde, Marcel Moma, pour la Koye Bissayo, monsieur le président de l'Assemblée nationale, peuple Azako Zélabo, aligné loi Noël Tchani. Parce que cette loi, il y a un monde de peuple Azako Zélabo, sauvé Mboka Nabiso. Tous en avons information que dans le niveau de l'Assemblée nationale, loi Wana de l'autre, bagarre le mélango, bagarre bloqué à mort, bon outil libanais à Moka, pour nous couper ça, pour corrompre le bureau des députés, pour corrompre le sénateur, pour loi Wana et les quartiers. Mais, tout ça qu'on interpelle, bien la élite du peuple, tout ça qu'on sait, loi Noël Tchani,
Bote tango la lomango, peuple azako zela yango. C'est une loi salvatrice. Oye ko sauver mboka na biso. Ezali lisumu te ya ko sécuriser ba institution mboka na biso parce que tozali mboka liboso te. Bana mboka se mete yeba soko te na mboka lokola Égypte pour être président de la République. Na mboka Égypte, il faut ozala marier na mwasi ozali kaka égyptienne. Bango kutu ba condition de vie makasi. Marié na mwasi ozali égyptienne. La loi Tchani et petit si Congolais te abala un étranger. Mais et petit si kata Congolais oyo azali 100% le RDCT. C'est-à-dire oyo azali 50% Congolais, 50% étranger. Assumé ma fonction, tout la poste et la souveraineté. Est-ce que vous allez nous soumou? Je pense pas, vous allez nous soumou. Vous allez pécheté. Pour mon cannabis, tout dans le lien de la loi. Wana. Bana moka, na royo du Sabino, vous allez qui vous avez votre humble serviteur Marcel Mema, autre Mabin Yamunagera. Aya kina etando na katia chaîne na biso oyo emesana kolanda la voix céleste pona koyebi sabino to ko pesa bino ba information ko échanger na bino bande ko nyoso tu oyo kozwa na poste kozwa mwana mboka Marcel Mema kozwa ngai na plus 243 89 88 54 533. Bote ya mingi kimia na kati ya mabota na bino pe bon début de la semaine. Merci, ciao. Enfin pona koshite bana mboka nyonso tout oyo toza koloba raison oyo Moïse Katumbi aza koagresse mboka na biso d'une manière ou d'une autre, ils allaient être bénis. Loi Noël Tchani, de père et de mère. Loi Wanane, ils allaient, loi Moko Salvatrice. Ils allaient, loi Oyo, et que Pesa Congo, deuxième indépendance. Indépendance institutionnelle. Donc, nos institutions, ils ont une indépendance, parce que infiltration, les gens qui ont une institution de Bichot. Le monde, il y a un chouchou, par contre, il y a une institution. Le monde n'est pas beaucoup d'étrangers. Le monde n'est pas James Kabale. Le monde n'est pas le chef d'état-major. Le monde n'est pas le chef d'état-major. Le monde n'est pas infiltré. Plein de Rwandais, plein d'étrangers. Le monde n'est pas le service de renseignement sécuritaire. Moi, j'ai eu des invités parce que j'ai eu des informations à la loupe, à la lettre, pour que je puisse faire des choses. On a redéfinir RDC. Mais loin de moi, les Tchani, on a mettre fin. Ils ont voulu mettre fin, c'est pour ce monde Occident. Moïse Katumbi, il y a une agitation totale. Parce que cette loi, il veut mettre fin à l'infiltration de l'Ebi Simoban et Mboka. Loi Wana, tu vois que sans dans le monde, au niveau de l'Assemblée nationale, tu vois que tu as papa Nabiso, Mboso, Koudian Kwanga, pour aller président assemblée peuple congolais basengio à travers le bien d'abord le mois dans boca Marcel Mema on a couru bisayo monsieur le président de l'Assemblée nationale peuple azako zelabo aligné loi Noël Tchani parce que cette loi il y a un de peuple azako zelabo sauver boca la biso tous en avons information que au niveau Assemblée nationale loi wana bo te baga ko telo melango baga ko bloquer ango bono uti libanda ya mboka pona ko pesa ko corrompre ba honorable député ko corrompre ba sénateur po loi wana elekate mais tozako interpeller bino la élite du peuple tozako senga loi Noël Tchani bo te tango na lomango peuple aza ko zela yango. C'est une loi salvatrice et que sauver mon cannabis. Les alliés du sous-mouté, il y a que sécuriser l'institution mon cannabis parce que tu as une mort à l'IBCT. Bah, n'a mort à ce n'était pas.
se retourner dans le monde Égypte pour être président de la République. Dans le monde Égypte, il faut oser la marier dans moi si on a des caca égyptienne. Dans mon coup, tu vas conditionner ma casse. Marier dans moi si on a des égyptiennes. Mais l'autre année, et petit si, comme on était à Bala, un étranger. Mais et petit si, quand tu Congolais Oyo Azali 100% le RDCT. C'est-à-dire Oyo Azali 50% Congolais, 50% étrangers. Assumer ma fonction, tout la poste et la souveraineté. Est-ce que Zali Nusum? Je ne pense pas que Zali Nusum. Les Zali Péchete. Pombo Kanabiso, tout dans le lingue à loi Wana. Banamoka Naroyobi Sabino, Ezalaki Oyabino, votre humble serviteur Marcel Mouema, Otemadi Nyamunagewa, Ayaki Naitando, Nakatia Chen Nabiso, Oyo, le Messana Kolanda, la voix céleste, pour Nakoyobi Sabino, Tokope Sabino, information que changer Nabino. Bandegonyo, surtout Oyo, de Rosana Posse, Rosamon Namoka Marcel Mouema, je rejoins Maïna plus 243 89 88 54 533. Bote, bote à Mingi, Kimena Katia Mabota Nabino, et bon début de la semaine. Merci, ciao.